Zami téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans la nouvelle édition ça, émission pour là, Haïti 360. Nous allons parler politique en émission pour là, surtout dans un contexte particulier côté président République là, mais convoqué à l'extraordinaire le corps législatif pour venir statuer sous énoncé politique générale du premier ministre qui nomme à M. Jean-Yves Seyan ensemble avec ratification, si nous avons le conseil, et équipe gouvernementale là, qui t'a fait dans pas longtemps, incessamment, Jean-Yves Seyan dit le langage parlementaire là. Nous allons pour nous discuter avec invité nous autour de événement ça qui était marqué week-end là, grande rencontre qui était gagnée entre premier ministre nommé Jean-Yves Seyan avec groupe député qui sorti dans nos pays, mais une rencontre qui fait un pile parler de lui. Nous prenons gagner pour nous garder avec une protagoniste, mais qui ça qui était gagné réellement en de rencontre ça, pour qui ça tout tourner ça autour de rencontre là, et qui position eux même et député qui sorti dans nos pays, mais ils ont adopté justement par rapport non seulement avec ratification énoncé politique générale, nouveau gouvernement et personnalité ou même qui composait nouveau gouvernement ça. Pour venir découvrir invité avec qui pral brasser l'idée essayer porter grain sel parler en dans débat, n'a propose là et n'a tourné tout de suite pour venir faire connaissance avec elle. Esaïe Prophète, député quartier Morin, s'est invité nous en dans émission pour la Haïti 360 côté promotion connaissance utile, connaissance éclairée par Jean Campé. Député Prophète, bienvenue dans Haïti 360. Bonsoir monsieur Léonel, bonsoir téléspectateurs de Haïti 360. C'est un honneur pour capable inviter dans l'émission. Moi là et disponible capable répondre toutes questions qu'on gagne dans l'émission à soir. Ça ne pas perdre du temps, député prophète, ou qu'on est li, même rat moins, en pile gébra que je vous dis à ce parlement, surtout avec dossier ça qui pendant, à savoir ratification, énoncé politique générale, nouveau gouvernement, à savoir M. Jean-Yves Seyan qui prend bien lui-même pour le mener back gouvernement ça. Mais juste avant que nous entrions dans le fond débat, 10 populations, dans qui bloc politique ou appartenu, et bloc politique ça qui Jean lui-même positionne le journée aujourd'hui en parlement, est-ce que c'est bloc majoritaire ou est-ce que son l'autre bloc qui crée suite à problème que nous connectons gagné après 6 7 8 juillet, expliquez-moi nous en long et en large et qui Jean bloc politique ça lui-même est à santé lié au niveau de la Chambre des députés. Jusqu'à présent, moi fait partie de bloc majoritaire là, APH, et un bloc qui était constitué qui était gagné environ 72 députés là-dedans. Après que le Premier ministre a été obligé de démissionner, après l'événement 6, 7, 8 juillet, il y a quelques défections qui sont faites au niveau de bloc là. Mais nous avons un groupe régional que nous formons, qui a 23 députés des départements du nord et du nord-est d'Haïti. Et nous avons un allié, qui est le député Joël Semerzieux, qui sorti dans les IWA qui vient nous rejoindre, qui fait nous un total de 24 députés. Mais nous pourquoi un bloc politique. Parce que pour nous capables d'un bloc politique, il faut que nous officiellement démissionner de APH, après ça pour nous capables d'inscrire au niveau du bureau de la Chambre des députés. Qu'on y en a réuni en tant qu'un groupe régional, mais c'était probable, peut-être en janvier, nous capables d'inscrire nous au niveau de la Chambre comme un bloc politique. Donc, si nous comprenons bien par rapport avec l'explication qu'on a là, une scission, je voulais vous dire, en APH, bien que et par rapport avec question inscription en la Chambre des députés, et nominalement nous toujours en APH, mais une scission côté nous former un bloc qui est plus régional que l'État et représenté une représentation nationale. Bon, effectivement, c'est ça. C'est que c'est pas que APH et une dissolution totale qui est faite au sein de l'APH, mais il est clair que y a quelques députés qui sont de l'APH qui a fait réflexion au sein d'un groupe. Mais avantage qui gagne un groupe politique nord-est, c'est parce que nous avons des députés qui sont issus de l'APH, mais tous nous avons des députés qui sont dans l'autre parti politique de l'opposition. Nous avons des députés qui sont de Vérité et Alliés, nous avons des députés qui sont de GPEP, et nous avons des députés qui sont de GPS. Ça veut dire nous avons un total de 24 qu'on y en a réunis, mais tant qu'on dit là, officiellement, nous pouvons dire que nous pas en APH. Si nous avons pour nous dire officiellement nous pas en APH, c'est le nous démissionner et puis nous inscrire comme un bloc politique. Qui est-ce qui est le niveau d'appartenance qui est arrêté avec APH? Est-ce que je vous dis là, nous parlons pour nous voter même côté à l'autre député APH? Bon, bien sûr, depuis conditions réunies. Ça qui prioritaire pour nous le voter
Non, chambre députée, c'est est-ce que ça n'a voté dans l'intérêt nation, premièrement. Deuxièmement, est-ce que n'a voté dans en ligne pour que le président pays a qui gon vision, qui gon objectif, que nous t'ai accepté pour nous t'ai accompagné dans la campagne électorale là, est-ce que selon nous-mêmes, il n'a pas une vision politique qui a été gagnée pour la nation dans les 5 prochaines années. Est-ce que vous comprenez? Et dernier bagage qui permettre à ce que nous votions, est-ce que nous votons selon âme et conscience? Non? C'est ça qui dirige votre nom. Si toutefois, gagner un gouvernement qui vient, depuis que tout esprit constitution est respecté, nous n'avons pas de problème pour nous voter. Alors, nous n'avons pas pour nous rester dans la deuxième partie de l'émission. Côté nous gagner justement pour nous faire focus sur les différentes discussions que nous avons dans deux assemblées ou en bas, notamment dans le cadre de ratification énoncée politique générale, M. Jean-Henri Seyan, qui est déjà Premier ministre nommé, et Jean Yoré Lely en un pays par rapport avec M. Jacques Guy Lafontaine, qui est démissionnaire. Donc, vous comprenez, nous faisons la critique, côté nous gagner. Deux premiers ministres et pratiquement constitution lui-même n'est pas vraiment établi de balise pour éviter que situation ça yo même yo ta recommencer et ben et non yon l'autre avenir si pas gagné yon amendement qui fait c'est pratiquement même bagala qui a continué et qui très néfaste pour démocratie parce qu'en pile monde qui a pris nous la journée aujourd'hui parce que nous gagne deux premiers ministres et pratiquement nous voyons qui est qui chef gouvernement journée aujourd'hui député prophète sujet qui passionne pratiquement tout auditoire tout monde a rien qu'on est dimanche dernier tu as une rencontre avec le président de la République là premier ministre nommé et équipe lui dis-nous par rapport avec ça n'a pas dans la rue là qui ça exactement qui t'est passé en dans rencontre ça c'est un samedi que le président est convoqué et groupe député dans une rencontre dans résidence privée la Caille et ceci environ 20 députés fait le déplacement pour y être venu. Moi-même, moi, j'étais au Cap Haïtien. J'étais pris un avion spécial à 8h du matin. J'étais venu participer dans la rencontre là. Même si j'ai quitté la rencontre là aux environs de 2h, parce qu'à 3h, il faut que j'allais à Timon et que lancé un projet de une place publique qui a fait la caille. Effectivement, la rencontre là a commencé à midi 10. 19 députés ont été là, la caille présidente. Alors, est-ce que les députés, c'est des députés qui sont dans le Nord, il y a exactement Jean Mounou? Non, non avec Nord-Est. Exactement. Environ 20 députés étaient là, nous avons commencé la réunion avec le président. Le sujet que nous avons traité dans la réunion, c'était issu qui est important pour nous-mêmes dans le département côté de Sotia. Premièrement, pour les députés du Nord-Est, il y a un WAF for Liberté qui ferme, qui représente pour eux un manque à gagner pour le département. Ils ont demandé au président pour être capable d'ouvrir le WAF. Deuxième point qui était intéressé nous-mêmes, les députés du Nord, c'est l'Abadie. L'Abadie qui est un site touristique qui portait un pile l'argent à la République là, tandis que la majorité dans l'argent ça, il tournait pour le prince, il n'a pas arrêté pour faire développement dans le département du Nord là. Et troisième point nous discuter, c'est le nouveau gouvernement. Nous avons fait des remarques à président, nous avons dit, moun yo kap tourne comme ministre là, qui moun ke yo ye, et si toutefois est-ce qu'il n'est pas bon, pour la continuité de l'État, une série de ministres nous a suggéré que yo rete pour être capable d'occuper pour ça jusqu'à ce que fin année fiscale la fini parce que gon raison pour ça. Nous pas te fait personnalité autour de yon ministère ni nous pas te fait personnalité autour de normes. Très bien. Vous dites que nous pas te personnalité mais et public là lui-même je vous dis à monde qui chita cap garder l'émission ça qu'on est pertinemment et par rapport avec information de yo à tout que le cas à Viol Florence c'est un cas qui te bail gros problème dans réunion et c'est ça qui sorti tout par rapport avec ça qui vini comme information et qui sont qu'a dit moun yo par rapport avec le nom d'Aviol Florent comme ministre et information rapportée que nous-mêmes nous avons essayé d'imposer et président avec pas quoi en aucun cas groupe député non-Nord-Est t'es imposé ni à président ni à premier ministre pour retourner avec monsieur Aviol Florent dans le ministère de la planification. Alors, qui a changé verbe là imposé à pour opposer parce que, et c'est pas seule la question de Aviol Florent que nous t'ai proposé. Nous t'ai proposé en quantité de ministères. Parle, on nous fait une petite parenthèse. Si qu'on problème que Haïti gagne, c'est que nous gagnons un problème de stabilité. Faut d'accord que toute spécialiste tout pour un pays vraiment rentrer dans le chemin de développement, ou besoin de 30 ans de stabilité politique. Dans le cas par nous qui fait élection chaque 5 ans, ça veut dire ou besoin réaliser 6 élections présidentielles dans l'heure que vous devez faire
pour que changement de gouvernement fait à temps, lorsque vous faites 6 élections présidentielles à temps, ou 30 ans de stabilité politique, ou plus ou moins qu'à commencer dans la procédure de développement. En Haïti, pas possible pour un président qui vient, il a un mandat de 5 ans, il peut quand même commencer à exécuter ça, il veut exécuter, il a un premier ministre qui peut quand même gagner 8 mois et pour changer. Lorsque changer, c'est comme si vous virez vision gouvernement. Quand y a ou pral mettons l'autre premier ministre qui pral venir avec un autre gouvernement avant pour que le premier ministre prenne cap li pour commencer à comprendre l'état, la prendre 4 mois, c'est 4 mois de retard. Pour me tourner à la question, non, c'est dans la logique pour nous don't permettre à ce que l'état continue qui fait que nous dit gain des ministres qui sont des ministères clés. Des ministères régaliens, nous t'as souhaité que vous continuez Kembeyo jusqu'à ce que l'année fiscale la fini. Gédé Mounika pose une question. Ça, pratiquement, il y a 5 ou 6 ministres qui ont reconduit en dans le nouveau gouvernement. Ça, que M. Signan a gagné un privilège, lui-même, pour le coordonner. Est-ce que proposer encore que l'autre ministre arrête et en dans le nouveau gouvernement, ça peut le venir, ou pas penser qu'il t'a superflu, ou bien il t'a créé problème et en dans l'espace politique là et en dans la société d'une manière générale, surtout si perception était allé dans ce sens côté et nous t'a dit que le gouvernement qui est là pour délivrer marchandises. Le problème, c'est parce que c'est le rôle que le ministère planification joue dans le système économique haïtien qui fait que son ministère qui est important par le fait que de jouer un rôle de ministère transversal. Si c'était ministre culture là, ministre touriste là, il n'y a pas de gros impact ça. Parce que bon, m'explique, bien le ministère de la planification, c'est lui-même qui fait planification pour tous les autres ministères. Bon, bon exemple, le ou bien budget ça qui fait un sorti là, qui publié dimanche et hier qui était 10 septembre là, ou bien seulement 20 jours pour capable de dépenser ou bien saisir tout l'argent qui est dans le budget et tout projet que nous sommes voté là. Or, le ministère des TPT, c'est un fiop. Que le pral préparer les quantités de projets que le gagne en budget. L'elfin préparer FIOP là, il faut le voir dans la planification. Il faut planification approuver avant que vous le voyez dans la finance. De même pour l'éducation, de même pour santé, de même pour justice. Pour le fait que planification joue un rôle au centre, tout travail ministère doit passer par lui. Et ça fait le vignon ministre qui est très important. Ça veut dire si c'est ton ministère qui pas jouer le rôle de lié l'OSA, il pas fait tout problème. Il y a des gens qui ont dit que le ministre a une feuille de route dans le ça empêche qu'on l'autre monde applique feuille de route pour que ça soit obligé, c'est à viol fleurant. Bien, et pas à viol fleurant. Pour ça, c'est le ministre de la planification. Parce que là encore, il faut nous faire ça clé. Nous ne pouvons pas mener une bataille autour de normes. Nous avons mené une bataille autour d'un système qui doit continuer à fonctionner. Surtout, nous avons le temps qui a joué contre nous. Lorsqu'on parle de feuille de route, aucun autre monde capable de signer une lettre qui adressée à un ministère pour l'autre ministre, sinon que c'est le ministre lui-même. Ça veut dire si le ministre PTC a fini de préparer Fiopli, il n'a pas voyer le directeur général là. Il a voyé le bon ministre de la planification. Mais le ministre de la planification vient approuver Fiopli. C'est le ministre de la planification qui peut écrire au ministère des Finances pour dire mais. TPTC voyons fiop bon m'approuvel qu'on y a ou même mette l'argent disponible pour TPTC. Ça veut dire si ministre n'est pas là, pas de monde qui est capable de recevoir dossier. Et encore, le voyez dossier ya, dans le ministère de la planification, il y a 4 techniques de planification qui vont travailler sur fiop là. Mais qui moun ki pou voye dossier à bail 4 techniques ça, c'est le ministre. Très bien. Alors, député, prophète et population qui a gardé nous là, il y a pas tant en pile en émission ça par rapport avec démarche de vérité et ben, autour de événement ça qui se passe le week-end là, qui est vraiment et fait en pile gauche chaude, fait gaspiller en pile en que salive, j'en ai dit li dans le langage journalistique. Jodi a, et le temps, et si nous comprenons à travers l'intervention là, eh bien, son élément fondamental, on va expliquer que pas gain temps, et d'ailleurs, nous allons gagner une année fiscale là, qui va arriver à terme, probablement, le ministère va même gagner temps pour dépenser un excédent budgétaire que tu as gagné là, je vous dis. Mais il y a des gens qui posent la même question ça. Pour que ça nous prenne pratiquement un mois avant que nous ratifions et pour un nouveau gouvernement ou bien énoncer politique générale, nouveau premier ministre. Premièrement, il faut que en tant que parlementaire, nous prenons responsabilité nous, pour nous dire son légèreté, effectivement, de la part du Parlement. Parce que nous avons vraiment pris trop de temps pour nous capables de voter le budget rectificatif là. Mais tout, ou pas le poser cette question, qui le tout que l'exécutif là, te voyé budget à bon. Parce que tu as un problème. Son budget que tu as déjà préparé,
mais dans même budget ça tu as une augmentation des prix de pétrole qui était là-dedans. Tu as 18 milliards de gouttes que tu espères que tu après joindre si tu as monté prix gasoline qui était dans budget. Le événement 6-7 juillet où vient passer population soulevée, il obligé retirer 18 milliards de gouttes que tu après joindre, ça veut dire budget qui était déjà fin déposé, il obligé râler budget ça, faire le tourner dans finance pour réajuster lui. C'est dans temps de réajustement de budget que vous fait qui vient paraître que l'œil vient arriver devant la Chambre des députés, il vient prendre temps. Et ceci finalement, car ouais, que le bureau Chambre des députés a fini de présenter le nouveau tel, rapide nouveau et au niveau du Sénat de la République, au votel, ça veut dire son coût n'a pas fait contre le temps, je dis à ces 12. Ou bien 20, 18 jours. Ça veut dire le 30, tout l'argent qu'on gagne dans le budget, je ne sais pas qu'on ait ce budget TNH, budget éducation, budget santé, quel que soit l'argent ou bien le budget qu'on gagne dans le budget, qu'on pas de temps dépensé ou bien pas de temps saisi dans le système avant le 30 septembre, il perdu la tournée dans le bureau finance. C'est la raison qui fait que nous avons compte le temps, nous pas vraiment capable de perdre du temps dans le niveau ça. Alors, il y a une pile discussion vraiment et par rapport avec ça, et député prophète a rapporté là, et bien, rencontre. Ça que tu as fait dans le week-end qui s'est passé là entre le premier ministre, président de la République là, avec un groupe de députés qui sont dans le pays, dans le nord-est, si nous avons ça, et député prophète, les mêmes dit nous. Député prophète, c'est vrai qu'on a nous parlé de points de divergence sur ce qui s'attend nous finalement après réunion ça. Bon, groupe de députés nord-est, après événement dimanche, premier ministre a enterré les nous, il a demandé nous une rencontre. Effectivement, nous t'ai rencontré avec lui hier. Nous t'ai parlé de différences qui gagnent entre nous. Nous t'ai fait une belle rencontre qui t'ai fini, qui t'ai duré environ une heure de temps. Très bien. Et je dis encore, il t'ai demandé nous une autre rencontre encore. Pour qu'on ait un rien qui conclut, pour qu'on ait un rien qui décide. Ça me le fait clair pour tout le monde. Nous, les députés du Nord et du Nord-Est, nous pas voulu devenir un élément de blocage. Très bien. Nous, là, c'est pour permettre que l'État avance. C'est parce que nous parlons de constituer élément de blocage qui fait que nous dit, M. Seyan, étape pissage. Si que nous t'attendons l'année fiscale la fini, pour tout projet ça, qui n'a budget à fin écoulé, qu'on y a le ça, nous capable plus ou moins changer de cabinet ministériel. C'est peut-être un conseil. Il faut obliger à appliquer. Ou bien des possibilités. Donc, vous avez préféré que le nouveau gouvernement nous ratifie après le 30 septembre? Bien sûr. Parce que il n'est pas possible pour me faire camper devant le podium, chambre députée, pour différents députés voter pour des projets la caillou. Nous connaissons impertinemment que si on changement de cabinet qui fait projet ça ou pas être exécuté, nous allons perdre tout comme ça, et puis pour nous voter. Sans pour autant nous ne voulons pas bloquer l'État. Nous voulons que l'État continue. Et ça fait nous dire si on blocage là, on nous épargne. Mais une deuxième possibilité. Parce que le problème qu'on s'allie, c'est parce qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, le nouveau ministre qui vient, il prend un pile temps pour accepter signature nouveau ministre. Pour accepter spécimen signature ministre, il prend un pile temps. Il y a des gens qui disent son bagage prend un mois et demi, deux mois, trois mois. Si le ministre finance capable de garantir que il y a un temps de faire changement, il y a un temps d'accepter signature ministre dans un délai de 24 à 48 heures, le ça nous a dit, si nous perdons 24 à 48 heures, dans 18 jours qui étaient là, peut-être pour projet capable de circuler sans problème. C'est plus ou moins option ça que nous bali. Mais tant qu'on dit, il n'est pas obligé d'écouter conseil. Il est capable de présenter avec le gouvernement. Depuis nous-mêmes, nous faisons sûr que le cabinet ministériel a venu, il a respecté tout principe qui est dans la Constitution. Pas de ministre qui a une double nationalité, pas de problème de décharge, on peut garantir. Alors, nous pas pour nous tourner sur les paramètres techniques. Mais on a toujours été sous question de temps.
Dernière rencontre, rencontre dimanche, non? Est-ce que c'est rencontre ça, tes premières rencontres nous-mêmes, groupe député Nord-Nord-Essa avec le Premier ministre nommé Jean-Henri Serré? Non, ce n'est pas la première rencontre. Ça t'empêchait que le problème ça, qu'on pose la journée, ou t'es posé là dimanche, là, ou t'es posé là avec le Premier ministre là, avant ça, et que tu as permis justement que nous ne pas de contrainte dans ça. D'ailleurs, nous te connaissons que session et parlementaire là, il y a prendre fin pour que ça ne pas poser là avant pour nous éviter d'arriver là. Moi, c'est un monde qui fait effort pour honnête et sincère dans tout ça, m'a dit. Ou droit. Nous t'ai rencontré avec le Premier ministre avant le cabinet ministériel là, t'es sorti. Nous t'ai dit ça. Okay. Il simplement pas d'importance à ça nous dire. Ça veut dire qu'on y a le vine mettre nous devant une situation de fait. Très bien. Effectivement. Suggestion ça que nous faisons à M. Serré en rencontre dimanche, nous t'ai fait une réunion antérieure que nous avons avec lui parce que nous t'ai réuni avec le couple là déjà. Nous t'ai parlé de l'appréhension. Alors, c'est m'a interprété pour la population qui a gardé l'émission et à soya. L'idée, ce n'est pas forcément mettre de nouveaux ministres en dans nouveau cabinet ministériel, là, mais c'était arranger nous à ce que le gouvernement démissionnaire arrête là pour liquider l'affaire courante jusqu'à ce que le 30 septembre finisse de passer. C'est ça. Qui intérêt que un groupe de députés qui s'est sorti dans le nord-nord-est a pas gagné pour exiger pour capable conduire un ministre de la planification? D'autant plus, son groupe qui commence à réfléchir, ça gagne seulement 3 mois. Ministre Aviol Florent, tu es ministre de la planification depuis sous-président Jocelyn Privert. Ce n'est pas nous qui te proposons. Il vient reconduire sous-président. Il y a un APH et un formation fait. Non, que Aviol Florent, son ministre qui sorti justement d'APH. Le président Privert est là. APH, c'était un bloc de l'opposition que le DIE. C'est sous-privé, pas bien tout. Quand il y a APH, un parti qui a supporté le gouvernement, c'est sous-président Jovenel Moïse. Est-ce que, bon, en démocratie, il faut que nous éclairions pour la population. Est-ce qu'un bloc majoritaire capable de l'opposition? C'est une question. Non, mais parce que nous avons supporté le président Jovenel Moïse pendant qu'il était en campagne, mais nous étions en face président. Jocelyn Privert. Parce que ça veut dire c'est ton bloc alors, de l'opposition. Alors, question qui est l'un parti avec l'idée que le Premier ministre, c'est l'émanation d'une majorité parlementaire dans les deux chambres. Est-ce que vraiment majorité parlementaire capable d'opposition? Oui, bon, mais c'est clair que le Premier ministre qui a été choisi, c'est Enex Jean-Charles. Il n'est pas issu de la majorité de l'APH, mais il plus ou moins son monde qui t'a fait l'unanimité au niveau de la Chambre des députés. C'est ça qui fait quelque part la majorité. T'es plus ou moins accepté. Mais sans pour autant, le bloc APH, t'es toujours été un bloc de l'opposition sous président Jocelyn Privert. Ça veut dire simple, il faut comprendre que le premier ministre, le monsieur Aviol Florent, t'es ministre de la planification sous Privert, c'est pas les députés du Nord et du Nord-Est qui t'ont proposé. Le Yvin reconduit sous président Jovenel Moïse, c'est pas nous qui proposé. Ça veut dire, monde qui voulait assigner la question de reconduire ministre Aviol Florent sur la responsabilité du groupe des députés. On n'a pas de reconduction. C'est pas vrai. Alors, oui. Clair, on n'a pas de reconduction ou bien de Jean Dadia permettre que le gouvernement démissionnaire finisse l'année fiscale. Exactement. Et ceci, nous pas seulement pointer du doigt le ministre Aviol Florent. Nous pointer du doigt un groupe de ministres qui plus ou moins occupaient des postes clés, des ministères clés, qui permettent à ce que quantité l'argent qu'il a dans le budget. Et ceci, bon, bonne différence. Où est-ce que vous changez un ministre éducation? On y a quel que soit l'argent qui pour éducation n'en fait année fiscale, il n'y a pas de temps de déposer le tout. Il n'y a pas de temps de déposer. C'est pour tous les ministères. Et ceci, malgré dans le ministère, je dis, ou quand sa technicien dit, il dit, je dis tellement droit. Mais il est plus grave. Moi, je me mets jusqu'au 30 pour être capable de prendre le dernier projet dans la finance avant que nous perdions l'argent. Technicien, ça dit, ministère des Finances, voyons notre bail, il dit, quel que soit le projet, n'a pas recevoir dernier délai pour nous bailler, c'est le 17. Très bien. Esaïe Prophète, député Kanti Bourré, s'est invité nous en émission pour la Haïti 360. Nous avons essayé, fouiller les zones dans Kalalou pour nous regarder exactement ce qui s'est passé en la rencontre, ce qui s'est fait dimanche dernier, le président de la République, là, Jovenel Moïse, premier ministre, nous
a Jean-Henri Seyan et groupe député ça qui sorti dans nord avec dans nord-est pays a qui t'a tenté jouer rôle représentation yo côté yo t'a essayé garder pour ouais mais qui Jean était capable permettre que gouvernement démissionnaire arrive dans fin exercice fiscal là ou bien yo reconduit tout quelques ministres d'après ça et député prophète dit ben qui dans des postes importants dans l'idée pour gagner fin liquider un budget 2017-2018 là pour projet ou même yo pas perdu d'après ça député a fait connait ou même ou la caillou autant des paroles député a fort une idée un ben de à partir de différentes explications que député a porté pour assurer une émission pour la Haïti 360. Nous allons prendre pause là, n'a tourner après tout de suite pour venir faire le point avec député a autour de séance ça qui t'a dû fait dans chaque chambre de manière séparée et ben pour ratifier énoncé politique générale maître Jean-Henri Seyan qui t'a supposé s'il joint une bénédiction et ben majorité dans deux chambres vin nouveau premier ministre haïtien qui pral gagner pour mener bac gouvernement pendant mois jour année qu'a gagner pour venir là. N'a propose là, n'a tourner tout de suite pour venir brasser l'idée autour de sujet ça. I-360 n'a parlé politique avec député Isaïe Prophète, lui-même qui se représente à quartier Morin en dans chambre député a et ben député a lui-même lui a essayé expliquer et par rapport avec ça lui-même lui connaît et que conscience il était chita sous lui tout et ben il t'a défendre en dans et rencontre ça qui fait en pile gorge chaude mais vraiment en pile gorge chaude en république là d'une manière générale surtout que député yo et député Prophète te promettre que lui-même de pas pral gagner pour fourrer pied on dans gouvernement gens ça te connait fait par le passé après expérience que pays a été fait 6 7 8 juillet yo. Et par rapport avec ce dit là nous pas gain l'impression tout que et pour mettre ça en pile député te fait que mais nous même pas fait pour mettre ça nous même dans groupe noir bon c'est ça m'a dit là et on pas pral dit et nous même dans député nord-est là c'est des petits députés que nous y c'est pas ça lié du tout la réalité mais tant comme nous son groupe qui fait constituer c'est 24 députés, leur t'a formé gouvernement, ils ont consulté nous. Très bien. Ça veut dire si on t'a consulté nous, nous t'a choisi est-ce qu'on a fait proposition de ministre ou bien est-ce qu'on n'a pas fait proposition de ministre. Et c'est même exactement ça qu'on dit là. Si avant que t'a formé cabinet ministériel, là, nous parlons avec M. Seyan, nous réunions avec lui, nous disons mais qui a appréhension que nous avons, il pas prendre appréhension en compte. Qu'on y a livin pote cabinet à ban nous sans que il pas tenir compte de ça que nous te dit là et nous même pas bon ministre dans gouvernement qui a dit que c'est député nord-est qui mette au dans gouvernement ça veut dire nous même tout n'a bien pour nous choisir côté intérêt nous parce que intérêt nous c'est population intérêt nous c'est mandat nous intérêt nous c'est permettre à ce que le budget république là distribué quatrièmement je ne parle même sorti dans le département du nord c'est malheureux ça me va dire là 89% du budget pour qu'on côté le dépenser dans la métropole de Port-au-Prince. C'est environ 10 à 11% qui repartit pour les autres 9 départements du pays. Nous sortons dans une commune qui est voisin de Limonade qui est courant 24 sur 24. À voisin du Cap Haïtien qui est courant 6 à 8 heures de temps par jour. Moi-même, quatrièmement, j'ai 0 heure d'électricité. On pas dit ça pour mentir mon ka vérifier quatrièmement pas gain courant et gain côté on pas même gain poteau on pas gain transformateur on pas gain fil de tension on pas gain triplex ça veut dire gain intérêt pour venir chercher dans pouvoir central là bagaille qui pour tourner quatrièmement or si dans projet ça me fini faire une proposition qui mandé pour yo mettre électricité dans quatrièmement un montant de 4 millions de goudes le malé dans ministère TPTC yo même qui marche à suivre qui pour respecter pour 4 millions de gouttes ça il gain temps exécuter à temps avant pour mettre courant quatrièmement et pour penser moi même après commettre un suicide politique pour mal voter un gouvernement avant que date échéante l'arrivée pour mal perdre l'argent ça non pas faire c'est pas que m'a bloqué pays même vin là pour vin défendre premièrement les intérêts de quartier Morin et ceci logique ça il pas seulement lié à question député nord-est c'est la position de tous les députés parce que c'est nous mêmes qui t'ai voté budget nous mettons un projet pour chaque zone la caille nous pas capable rentrer dans logique pour n'al enfrageler
action que nous sommes fait au Parlement. La population qui a écouté nous là, qui a gardé nous là, tout a gagné problème avec, c'est pas poser une question. Ça, 24 députés qui sont dans le Nord-Est, par contre, c'est tous 24 là, c'est dans le Nord-Est, parce que c'est des députés. On seul allié. Qui vient joindre nous dans le groupe côté nous hier. Nous pas sorti en des partis politiques. Pour qui ça, si nous sortons dans le parti politique, et parti politique ça, yo pas initié justement des moches de négociation ça, avec pour les ministres là, et à permettre que désidérata nous t'a pour passer en dans négociation qui a fait. Même sorti de l'OPL. OPL pas dans le gouvernement. Parce que le ministère que tu voulais bailler OPL là, qui c'est le ministère du commerce, face que tu voulais bailler OPL là, OPL pas prendre. Tandis que, tant comme nous, son gros en bloc plus ou moins régional, il y a des députés qui sortent du PHTK, peut-être dans sens sa position PAM, non. On doit parler dans même lien avec des députés de PHTK qui peut-être capable de représenter au niveau du gouvernement, mais il y a des députés qui sortent de différents blocs. Mais l'objectif, dans la formation groupe là, nous devons surpasser la question de parti politique là. Nous disons un fond bloc régional côté que nous parlons défendre intérêt région. Ça veut dire que c'est base bloc là ça, et ça fois besoin des députés qui sont dans différents partis politiques, dans différents blocs politiques, mais base là premièrement sont base régionale. Les intérêts des régions du Nord et du Nord-Est. Alors, président de la République là, il convoque à l'extraordinaire le corps législatif pour venir statuer les gens qu'on a mis dans toute session extraordinaire pour toute la population. Ça, pratiquement, c'est l'exécutif qui détermine et bien, qui ça qui gagne dans l'agenda pour le Parlement, les mêmes les statuer sur l'IA. Et dans l'agenda, ça, le seul point, c'est ratification et énoncée politique générale, et maître Jean Rousseyan qui c'est premier ministre nommé, Jean tout le monde qu'on a mis en dans le pays. Qui ça ou qu'a dit population aujourd'hui par rapport avec séance de fête là, ou d'après ce qu'on dit, pas vraiment bon accord entre groupe 24 là avec M. Jean Rousseyan pour nous dire bon, nous pourrons le supporter ou bien nous pourrons le voter dans ces politiques générales là. Vous pensez avant séance dans la chambre députée là, groupe 24 là, de temps, une opposition commune et allié avec et pouvoir, allié avec le nouveau gouvernement? Une position qui doit primer pour nous le respect de la loi. Le respect des principes de la Constitution. Ça doit passer en avant. Intérêt de commune, intérêt personnel doit passer en bas. Et ceci m'a dit ça. Nous prêts pour nous recevoir au gouvernement tout autant que tout principe constitutionnel respecté. Nous avons garanti depuis le gouvernement venir. Pas de ministre qui a un problème de décharge. Pas de ministre qui a un problème de double nationalité. Depuis pièce, tout ministre correct. N'a voté. Alors même si on pas reconduit moun que nous a demandé yo, même sincèrement. Si et ça n'a demandé yo même comme parce que en tant que comme partage en tant que parlementaire ça m'a revendiqué là il secondaire. Responsabilité que me prend l'aime t'a voté l'aime t'a prêté serment t'a venir député m'te prend responsabilité capable respecter la loi, la Constitution. Si un gouvernement vient devant depuis respecter tout principe que la loi, la Constitution, mandé pour le respecter, m'obliger à voter, pas qu'à faire dire la loi. Alors, depuis nous pratiquement marrer là, en chambre députée, il faut nous dire clair, Joseph Lambert, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale, il est parti nous piquer devant là, quand il dit bon Sénat, pratiquement, il y a une majorité acquise à la cause de M. Séan, et séance prale faite dans le Sénat là, d'ici jeudi, et finalement, chambre députée n'a pas qu'à faire ou pas, elle n'a pas capable de faire séance par là, tout pour le ratifier. Et non, c'est politique générale là. Si nous pas fait, pratiquement par rapport avec l'opération 3 l'étage, la BFG Parlement qui lance depuis après 6-7-8 juillet pour des parlements, pratiquement une cible pour des statuts, chambre députée a pris pour faire face à courant populaire là, c'est une dagadil comme ça. Bon, là, ma ponti, j'en pas d'accord. Parce que en tant que parlementaire, nous avons pris responsabilité. Nous avons fait ça la loi mandé pour nous faire. Nous avons fait ça la constitution mandé pour nous faire. Mais nous n'avons pas de pression. Très bien. Nous n'avons pas de pression. Depuis que nous prenons un engagement pour nous rentrer comme député, nous connaissons un risque. Notre travail là, nous sommes capables de sortir en vie, nous sommes capables de mourir. Et ceci, un gros travail qu'a fait pour dénigrer le Parlement. Je pense que grand pile monde qui a intérêt dans ça. Nous dit tout que nous-mêmes parlementaires nous aidons tout dans les dénigrer parlement, nous ne pas cacher. Nous faisons partie de une institution. Si il y a une institution en Haïti qui a levé main dit pas gain corruption là-dedans que levé main. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Très bien, très bien. Ça veut dire c'est pas que n'a prôné la corruption.
Ce n'est pas que nous avons pour que nous continuons nos corruptions. Même pas qu'il y a une institution dans le pays qui est capable de pointer du doigt la corruption au sein du Parlement. Alors, parce que nous, nos sociétés qui plus ou moins à un niveau généralisé que nous devons corriger. Il y a des signaux qui vous baillent pour montrer que un changement de cap par rapport avec pratique passée. Et c'est ça la population justement l'abtonne. D'accord. Et c'est pour ça que soit les dans la chambre députée, ou avez des députés qui mal agi, comme ça, ou avez des députés qui respectent tête. Mais le message là que vous voulez faire véhiculer, c'est que tout le Parlement est pourri. Tout le Parlement n'est pas bon, mais ce n'est pas vrai. Et ceci, vous rendre compte que son campagne qui commençait, qui gagne un objectif que le visait, qui c'est éliminer le Parlement haïtien, parce que grand pile monde tout autant que l'État fort, il bat au problème. C'est monde qui vivent de corruption. C'est monde qui vivent de contrebande. Nous toujours par exemple ça. C'est pas pour grand merci qu'un député qui était le député Steven Benoît qui t'a fait une loi sur le salaire minimum qui t'a plus ou moins mettre salaire minimum dans à un prix. Journée jodi a salaire minimum nan il y a 350 goud. Moun y a demandé 500 goud. Moun a demandé 800 goud. Qui moun ki capable introduire une loi pour faire salaire minimum nan 2500 goud, 2800 goud, mais son parlementaire. Si secteur ça qui pral senti que li affecté par yo augmentation du salaire minimum. Mais si vous connaissez que c'est dénigré pour dénigrer le Parlement, pour pas qu'aucun parlementaire qui ait crédibilité pour introduire la loi, c'est ça la fait. Alors, et ceci, je conclue. Travail la fête. Travail la fête côté que sous un sondage en Haïti qu'on y a. Mandez tout le monde qui est institution qui est corrompu, c'est le Parlement. Qui moun qui pas vle pays avancer, parlementaire yo. Qui moun qui empêche Haïti avancer vers l'avant, c'est parlementaire yo. Et ceci, il payait parce que population qu'on y a et mini. C'est parlementaire, tandis que côté parlementaire a sorti, c'est en dedans, parce que nous-mêmes, bien sûr, nous sortis de la masse et de la classe moyenne. Ou par l'autre jour, ils ont fait attaque la caille, président Joseph Lambert. Ou par l'autre jour, ils ont tiré sous machine, sénateur Salomon. Et je vous garantis qu'il y a un député qui a une machine officielle, que vous pouvez marcher avec lui dans la rue. C'est parce que le travail a fait. Ou un budget, ils ont dit, mais combien de budget parlement y est? Mais ils pas montré combien de qui pour grand budget. Alors ça, nous même nous avons travaillé pour côté par nous d'affaires. Par exemple, par exemple, le budget parlement, c'est 7 milliards de gouttes, et il y a une campagne d'information pour nous faire tout, pour nous dire, voilà, 7 milliards de gouttes là, par exemple, et sénateur Lambert fait il y a plusieurs reprises, il montrer que gagner les travaux de construction du parlement qu'il a donné, qui fait que enveloppe parlement gonflée comme ça, c'est pas forcément un budget de fonctionnement pour le parlement qui arrivait dans le niveau ça. Et je pense que le travail information chaque secteur et en d'un pouvoir tu as supposé faire li le du budget c'est temps et ben ou détail budget les gens ça fait à travers la presse que on bon élément de la société civile là qu'on fait li on campagne information autour du budget pas grand rien qu'empêcher que parlement que chambre députée ali même fait ça. D'accord avoir. Mais qui moun qui pointe du doigt le budget du parlement? Son technicien en finance, son journaliste financier. Pour qui ça ne pas pointer du doigt à tout budget côté que l'État obligé subventionner déficit de l'EDH à 60%. Et dans le déficit de l'EDH, il y a des compagnies qui joignent 12 millions de dollars américains par mois. Que y a payé. L'on 12 millions de dollars américains par mois, multiplié par 12, et bien, dans une année, il y a 144 millions de dollars. Pour qui ça ne pas dit, mes compagnies, ça y a, ils ont joué 144 millions de dollars américains par mois. Pour qui ça, c'est celle ligne budgétaire parlementaire. Ouais, il y a une ligne budgétaire qui n'a même budget, ça, pour des compagnies qui vendent l'État haïtien des fournitures de bureaux. C'est seul pays côté que l'État achète fournitures de bureaux chaque année. C'est chaque année, oui, dans chaque budget, il y a une ligne pour fournir. Ça veut dire, même technicien ça qui ouais les budgétaires parlement il pas ouais link ça pour des compagnies qui vont parce que l'agence ça là c'est travail nous c'est travail nous pour nous faire enquête sur ça justement pour nous et porter le dossier devant qui de droit ça c'est si le parlement ne protège pas la république le parlement n'a pas ça à faire d'accord c'est pas que nous pas protéger même voulez montrer à qui niveau que travail de dénigrement a fait ça veut dire seulement yo montrer que link qui fait dans budget parlement c'est tout
député qui a consommé tout le budget national là, mais l'île qui gagne 12 millions de dollars américains par mois, ou pas, ouais. L'île qui gagne fourniture par année pour l'État acheter, ou pas, ouais. L'île qui gagne monde qui gagne contrat pour bailler l'État kit alimentaire, kit scolaire, kit hygiénique là, c'est eux seuls qui gagne droit faire commande ça, ou pas, ouais. Dans le ministère des TPTC, dans le budget d'investissement, ministère des TPTC, c'est environ 47% oui, qui allait pour question route. Mm-hmm. Avant président Jovenel, qui compagnie qui te compte faire route en Haïti, c'est yon ou bien deux. Ça veut dire prendre 47% de budget TPTC, l'on a voué l'agent ça chaque année, non, mais yon seul compagnie qui fait route, ou va connaître qui quantité l'argent. Ça veut dire technicien ça, ou gen yeux seulement pour yon. Li budget à parlement, mais tout l'autre li qui en est dans poche grenègue, yon pas ouais. Très bien. Haïti 360, je pense que ou édifié par rapport avec intervention que député Esaïe Prophète lui-même l'a fait en émission pour là, ou même qui chita la carte, ou capable de faire une idée eh ben, de ça que tu as discuté, mais justement dans la rencontre, la fameuse rencontre ça qui fait un pile gauche chaude, je nous dis, et qui jusqu'à présent continue à alimenter l'actualité. Nous prenons la deuxième pause là dans l'émission, nous prenons le tourner avec le député Prophète pour nous regarder la configuration de la chambre députée et qui chance vraiment Jean-Rissé en gagné pour ta passer étape ça et ta venir définitivement premier ministre haïtien qui pourra mener le pays ensemble avec le président de la République là dans le jour Cap Vini là. On propose là pour nous tourner tout de suite pour nous continuer faire pour une connaissance utile, connaissance éclairée en émission pour là passant 60. Haïti 360, n'a pas les politiques avec député Esaïe Prophète. Député a qui portait vraiment en pile élément d'éclairage pour nous autour de rencontre ça qui était faite dimanche dernier. Eh ben, entre président République là, premier ministre nommé Jean-Henri Seyan et groupe député qui sorti dans nord à nord-est pays a qui t'a essayé garder pour voir qui Jean y'a arrivé. Eh ben, dans fin année budgétaire là, avec des gouvernements démissionnaires là, dans l'idée pour permettre que, eh ben, différents projets qui étaient initiés pour aller une population, surtout dans zone nord-est pays, un projet ça va continuer à exécuter sans que vous pas arriver bloqué parce que vous avez un nouveau ministre qui va entrer et qui pas gagner peut-être signature qui est effective pour signer ben sous projet ça. Depuis le prophète, n'a pour l'autre chapitre, c'est pratiquement ratification qu'on y a nous va parler. Qui ça Jean-Lucien a fait jodi a pour arriver rassembler majorité dans la chambre députée. M'pa bon menti. Moi, c'est le député qui n'a pas fait politique. Mm-hmm. Parce que je parle, je parle franc avec moi. Je ne crois pas que ma majorité député a un problème avec le personnage Jean Rissé. Honnêtement et sincèrement, je pense que j'ai une chance pour le passer dans la chambre députée sans problème. Simplement, il a besoin de mettre tout papier que la Constitution a demandé pour que les gens qui pour venir ministre. L'a besoin de préparer papier ça. Tant qu'on dit, depuis tout document ministre Jean-Henri Seyan ou prêt, l'a passé. Parce que moi, je fais partie de députés qui ont supporté la majorité. Dans le remaniement ministériel qui était fait là, il y a des ministres qui étaient tournés, qui n'ont pas été gagnés d'échange. Même la façon de fait là, ils n'ont pas respecté tout principe. Mais la cour. Tu préparé un rapport, il te dit ministre, tu es supposé gagner des charges. Très bien, très bien. En tant que député qui a supporté la majorité, pour moi-même, c'est un gros calotte que je te prends. Parce que je ne suis pas venu là pour me supporter une majorité en violant la loi, en violant la constitution. Je dis ça à tout le monde. Mais tu as supporté le président Jovenel Moïse, depuis la fond bagage qui n'est pas bon, je dis, je vais avoir. Parce que le premier engagement, ce n'est pas pour supporter la majorité, pour supporter le président Jovenel Moïse, c'est pour faire sûr que le principe constitutionnel est respecté. Si M. Henri Seyan vient avec un ministre qui ne répond à critères constitutionnels, on ne peut pas voter. Très bien. Ça veut dire, alors, avant que vous venez avec le cabinet ministériel, faites sûr que vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous faites devoir de maison, parce que pas de député qui fait partie de la majorité, qu'après il vient violer la constitution pour être capable de voter un gouvernement, ça nous clair là-dedans. Alors, au niveau du Sénat, le président Joseph Lambert, dans des déclarations qu'il fait sur les zones de station, de télévision et de radiodiffusion locale, il parlait d'une commission d'enquête, et pour ta, au niveau qui allait au niveau du Cour supérieur des comptes, qui demandait des documents autour de certaines personnalités qui composaient justement une gouvernement. Ça, nouveau gouvernement, ça t'a supposé à des ratifications dans le Parlement. Et il y a annoncé que des surprises et nous-mêmes, nous avons des informations sur des personnalités. Bon,
une commission qui travaille au niveau de la Chambre des députés sous dossier. Très bien. Comme le Sénat a été recevoir un document avant nous, nous attendons que le Sénat fini le rapport là. Et il se peut, si le Sénat a fini le travail là, nous n'avons pas besoin de tourner pour nous le faire encore. Très bien. Si le Sénat a fini d'analyser le dossier, il se rend compte que le dossier est complet, il y a les dans le DGI, il y a les dans le coup des comptes, il y a un rapport favorable. Et bien nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, après il prend le même dossier que le Sénat a été évalué, depuis nous n'avons pas gagné un an, nous avons garanti, il a fini de passer dans le Sénat vendredi, et puis en samedi, nous recevons dans la Chambre. Député, sans problème. Mais tant qu'on me dit, pour aucune raison, fois ça, parce que dans le cabinet ministériel qui formait là, si information en vrai, il y a un monde qui a été proposé comme ministre, il a dit qu'il y a un problème de double nationalité. Et le commissaire du gouvernement, il est en mesure, il voyait convoquer mon nom. Est-ce que convocation en fait, est-ce qu'il n'est pas fait, est-ce que mon nom n'est pas là? Ça veut dire qu'il faut d'accord que le cabinet ministériel, l'équipe, là, t'es fond et ouais. Alors, parce que... faut dire que bon, ministre de nous, mais qui vient retirer en gouvernement, il demande un report à la huitaine de convocation pour le cabinet de. Eh bien, c'est ça, ça veut dire. Si son lot arrêté pour le mettre dehors, pour nous remplacer mon nom, te mettre dans l'environnement, que vous faites. Ça veut dire qu'il y a tout fait correction. Vous pensez que mon proverbe qui dit plutôt nous miser, nous pour des bons commissions. Mais là, en tout pour raison, problème constitutionnel, grand pile monde qui dit que question analyse de pièces au niveau du Parlement, je vous dis, pour membres et gouvernement, c'est son bagage qui est inutile parce que la constitution amendée, la version amendée, constitution 87 là, il est pratiquement retiré parti ça dans le processus de mise en place de nouveaux gouvernements. Qui, j'en nous-mêmes, dans la Chambre des députés, nous positionnons par rapport à ça. Où est-ce que tu as arrivé là si nous pas étudié le dossier? Si on est qui a une double nationalité qui t'a pris ministre de l'environnement, ça veut dire travail de contrôle. Là est très important. Ça veut dire mon qui t'a formé cabinet ministériel là faut mon te gain toutes les formations ça tout document effectivement selon un conseiller et monsieur Henri Sermet Camille Leblanc il dit tu fait monsieur a signé papier pendant 5 fois dit que il pas de double nationalité. C'est raison qui fait que la justice prend dossier à charge. Mais faut regarder pour est-ce que pas un autre monde qui baille menti dans même niveau que monde ça. Et c'est l'âme d'Abdou. Plutôt yo prend petit temps pour former gouvernement pour porter ban nous parce que nous ba garantie ça. Déception que nous prenons dans dernier cabinet ministériel là en tant que député qui a supporté la majorité, nous pas les prendre encore avant que porton cabinet ministériel ban nous fait travail de maison. On pense que dans 11 millions d'habitants faut qu'il y ait 18 mois. Alors, ministre qui répond à tout ce qui est. Cependant, si nous voulons hériter justement dans la Constitution, le vote ne devrait pas avoir lieu sur les personnalités, mais c'est sur l'énoncé de politique générale. Est-ce que là tout. Non, mais Constitution, on a un article dit mais qui conditions pour le monde rempli pour venir ministre. C'est pas seul énoncé politique générale là pour regarder. C'est Constitution qui dit mais qui conditions pour remplir pour venir ministre. Il dit pour ministre, il faut gagner 35 ans, pour ministre, il faut ça, pour ministre, il faut pas jamais renoncer. C'est à nationalité, c'est la constitution qui dit ça. Ça veut dire que le travail n'est pas nous, c'est le travail qui est un support à l'exécutif là et non, il y a un élément comme c'est Mdadjoula, nous avons chita sous lui au niveau de la ratification. Il a souhaité venir avant même ces instants. Et puis c'est ça qui fait Mdou, si le travail là est fait très bien, conseil de problèmes qui viennent paraître dans ces séances là qui pas tap fait parce que tant comme nous sincèrement nous pas gagne raison pour nous bloquer un pays nous pas gagne raison pour nous une équipe ministérielle que nous pas voulons rentrer au pouvoir mais nous gon guide nous gon garde fou c'est la constitution constitution nan mais il dit mais qui marche à suivre mais qui route pour suivre pour que ça va suivre lui. Très bien. Alors, et pendant qu'on parle de constitution, il y a un député par rapport à l'information qui vient nous qui pas de et vient ouvrir session extraordinaire là. Est-ce que là, tous les députés ne sont pas conscients que l'initiative que vous prenez, c'est après une violation? Non. Mais ça a un problème. Premièrement, convocation en fait très tard. Il y a une différence entre le président m'était arrêté de là, il m'a demandé pour convoquer. En séance extraordinaire là, avec date ou fait convocation pour séance. Le président finit de arrêté, c'est ça, mais le président n'a pas pour fixer jour séance en Assemblée nationale là. C'est le président de la Chambre des députés et le président du Sénat qui pour signer date là. C'est Jodia que vous voyez le sous-message, ben nous dit que séance là a fait Jodia. Et par erreur,
bon groupe de députés, par exemple, groupe de députés 23, nous te gon rencontre matin, hein? Nous tout te préparé nous pour aller dans la séance, là, rencontre fini bon 3 heures, nous tout te préparé pour aller dans la séance là à 5 heures. Mais apparemment, député Caleb Deramo te font interview dans la radio Kiskeya qui a été enregistré depuis matin. Hein? Peut-être que tu enregistré interview, yo pourquoi te conclu qu'il y a une séance là, okay. Et puis on vient passer interview ça à 4 heures. C'est là ça y a un député qui est dans le groupe noir, vient dire nous que. Mais Caleb Deramo dit pas bien séance. Qu'on y a tout le monde défocus, tout le monde était la caillou. Et ça fait c'est bien en tard. Bon quantité de députés qui étaient fini arrivé la caillou pour nous capables bailler séance, nous aller effectivement séance en fait. Ça veut dire pas de question de boycottage qu'a fait, pas de question de blocage, c'est pas ça. C'est simplement une confusion qui était gain qui fait que l'assemblée il pas gain une majorité de députés. D'où cette nécessité, cette fameuse nécessité d'avoir plus de cohésion entre les trois pouvoirs de l'État pour permettre que République là j'en ai dit qui part en propriété privée de qui que ce soit, eh ben, lui-même n'est capable de fonctionner. Parce que tout ça, nous avons besoin en un pays, c'est de fonctionner pour nous suspendre avec cycle de instabilité, ça, pour nous entrer dans la stabilité, pour nous arriver dans le progrès, côté monde capable de vivre tout bon, quand le monde en un pays. Dernière question, et député et prophète, dis-nous, je vous dis, qui Jean et chambre député a, combien de blocs qui gagnent en bas, combien de sous-blocs qui gagnent en bas, si Jean Rizé a dû convaincre les députés, à combien de blocs, combien de sous-blocs il a gagné pour le temps de parler? Il y a 5 blocs politiques en bas. Donc, comme du groupe, pas nous, nous pouvons inscrire comme bloc. Donc, c'est pratiquement sous bloc. Non, c'est ça même. Il y a 5 blocs en bas, il y a APH, il y a GPS, il y a GPEP, il y a bloc député vérité et allié. Ça veut dire plus ou moins qu'il y a 5 blocs. Vous pensez que, comme du, lorsque besoin de gouverner, il faut des moyens et capacités pour parler avec tout le monde. Si vous demandez avec combien de députés que le Premier ministre a supposé parler, je vais vous parler avec 117 députés. Faites sûr que tout le monde se sent à l'aise. Vous ne pouvez pas parler avec 117 grands monde, mais vous regroupez en différents groupes et en différents blocs, parler avec eux. Tant que je ne sais pas que vous n'avez aucune tentative qu'a fait pour nous capables de bloquer. Et monsieur Henri Zéan, d'autant plus pour nous mêmes députés qui a supporté la majorité, qui a supporté le président Jovenel, c'est lui-même qui choisit monsieur Henri Zéan de propre grêlé. Ça veut dire voter Jean-Henri Zéan, c'est voter la continuité de politique président Jovenel Moïse. C'est là nous capable nous pas faire opposition. Mais président Jovenel Moïse prend un engagement pour le capable faire respecter la loi et la constitution. Nous mêmes tout nous prend engagement pour nous capable faire voter respecter la loi et la constitution. C'est engagement ça que nous devons prendre. Et c'est ça n'a demandé Premier ministre Jean-Henri Séan pour permettre que l'aide nous fait que lui-même. Alors officiellement avec un gouvernement que de tout cabinet ministériel respecter les principes de la constitution établie. Pratiquement ou pas quitter APH net parce que officiellement nous beaucoup divorcé avec lui et les rencontres qu'on a fait probablement nous gain droit pour ne pas arrêter dans un compte ça pour nous faire valoir point de vue nous APH et ça veut dire comme groupe majoritaire s'il existe toujours et lui APH il y a lié ni des gouvernements au contraire bon bien sûr au contraire APH vient gros avantage APH déjà gain tout le monde qui fait partie de APH là mais groupe député nord des yo vignon extension de l'APH. Ça veut dire qu'il y a un député qui est contre la vérité et allié qui part dans l'APH. Il y a un député qui est dans GPEP qui part dans l'APH. Il y a un député qui est dans GPS qui part dans l'APH. Que nous rallions dans le groupe député non ordinaire. Ça veut dire si l'APH vraiment besoin de majorité, depuis qu'il y a mon APH, il y a avec le groupe de députés du Nord et du Nord-Est, il y a une majorité. Ça va demander, Chita parlé, et Chita parlé justement en émission pour la Haïti 360. C'est une bagarre que nous toujours prenons parce que la démocratie, justement, son passe de négociation des contradictions. Là, nous, contradictions, c'est pas ennemi l'ennemi, mais c'est pour nous faire point de vue. Eh bien, je nous dis à passer en la discussion dans l'idée pour nous faire un consensus. Ça va vouloir dire que c'est moins qu'obligé imposer ou même ça me pensait, mais il faut que nous joignons consensus. C'est-à-dire, espace de négociation, côté, nous allons joindre une solution possible pour nous arriver à résoudre le problème eh bien, qui a tracassé nous, qui fait que nous pas qu'à avancer. Construction pays, c'est pas affaire yon moun, c'est affaire tout moun. C'est pas affaire yon pouvoir, c'est affaire tous les trois pouvoirs qui c'est symbole sandare les républiques là. Côté représentation, parlement lui-même l'a fait, l'exécutif la gagne pour le faire, tout le gagne pour le faire exécuter loi, judiciaire la tout gagne pour le jouer, n'en fait respecter loi ça à travers les différents tribunaux.
N'a pas envie de continuer à rebrancher la télévision nationale d'Haïti parce que parole éclairée, je ne toujours vous dis pas, je ne suspends pas dans la télévision ça. N'a pas cassé rendez-vous avant nous-mêmes pour une prochaine édition parce que question politique là et question promotion, connaissance utile là, pas jamais camper en dans émission pour là, Haïti 360. Depuis le prophète, merci en pile. Que bon Dieu bénisse, merci pour l'invitation, que bon Dieu bénisse Haïti et que bon Dieu bénisse tout le monde qui t'a regardé sur l'émission. Merci, à la prochaine. À la prochaine.